Hey guys, bonjour à toutes, bonjour à tous, Edouard Montas, directeur Europe de Wisdom & Golf. Comme promis, je suis aujourd'hui à Cannes et évidemment, désolé mon cher Olivier que je vais vous présenter tout de suite, j'ai amené la pluie avec moi. Nous sommes au golf de Saint-Donat, en ma compagnie, le très cher Olivier Sima. Mon cher Olivier. Eh bien écoutez, bonjour à tous, bonjour à toutes et je suis vraiment très heureux d'accueillir ici chez moi à Saint-Donat mon ami Edouard Montas. Quel accueil avec la pluie malheureusement, mais on garde le sourire. Super. Et je suis très heureux de faire cette séance avec vous. Alors, juste une chose pour présenter notre ami Olivier. Olivier est un ami de longue date. Olivier est un garçon que j'ai rencontré il y a pratiquement plus de 10 ans maintenant, qui était un des premiers, on va dire, à croire à ma passion du golf. Olivier connaît le golf parfaitement, c'est un excellent joueur de golf. Et pour la petite précision, parce que je suis en train de faire ma tournée à Calmandelu en ce moment, avec vous, amis que j'ai vus en stage pendant ces 5 jours, je veux absolument vous dire que pour ceux d'entre vous qui sont à Cannes, qui sont dans la région de la Côte d'Azur, quand je ne peux pas être là, puisque je ne peux être là qu'une fois ou deux fois par an, je vous demande d'aller voir ce garçon, de prendre des cours avec lui, d'aller faire des parcours accompagnés avec ce garçon, parce qu'on est vraiment sur les mêmes pensées, on voit le golf de la même manière. Il a un feedback qui me donne au quotidien et on partage les mêmes principes. Et d'ailleurs, justement, mon cher Olivier, on abordera des questions sur... Il a été voir le Masters en 2003, on en parlera à la fin de la vidéo. Justement aujourd'hui, je ne fais pas toujours des vidéos sur le wedging. Et comme Olivier, un de ses grands points forts, c'est justement de faire d'être un bon wedger. D'accord, tu vas nous expliquer comment tu vois un coup de wedge. Très bien. Alors, juste une chose, on a un drapeau qui est exactement à peu près à 50 mètres, c'est ça Olivier? Voilà, 50 mètres, exactement. D'accord. Maintenant, la caméra est à toi. Les gens sont derrière la caméra et attendent ton feedback. On te regarde, mon ami. Pas de problème. Merci Edouard, en tout cas, pour cette présentation. Tu es vraiment adorable. Voilà. Et j'apprécie énormément. Alors écoutez, moi, de toute façon, je préconise en général dans le golf que pour bien jouer au golf, il faut faire quelque chose de simple à reproduire, d'accord ? Sous pression, sur le parcours. Au plus c'est simple, au plus c'est facile. Et plus tu peux le refaire. Et au plus je peux le reproduire sans avoir à y penser. Formidable. D'accord ? Donc, alors, pour ce coup de wedge, par exemple, alors, comment tu commences ce shot ? Est-ce que tu viens, par exemple, de derrière pour le voir ? Alors, premièrement, quand j'arrive sur la balle, je regarde la situation. Est-ce que mon drapeau est derrière un bunker ? Et est-ce que j'ai un obstacle entre la balle et ma cible ? Donc, tu regardes tout de suite la situation que tu as en face de toi. En premier, c'est ce que je regarde. Donc, de derrière, par exemple. Alors, de derrière, bien sûr, je prends mes lignes de jeu, bien sûr. Ouais. Et puis, surtout, je regarde mon vol de balle, c'est-à-dire très haute si j'ai un bunker ou une balle un peu tenue si je n'ai pas, pas d'obstacle devant moi. Alors, qu'est-ce que tu vois plutôt par... Il n'y a pas trop de vent aujourd'hui, il pleut évidemment. Alors là, on n'a pas d'obstacle devant, bien sûr, on a le practice. Ouais. Donc, je vais faire un coup assez tenu. D'accord. Quelque chose de simple, c'est-à-dire plus dans la rotation que d'essayer de trafiquer avec les poignets. D'accord ? D'accord. Alors, est-ce que le point intermédiaire, pour moi, il est très bien. Je vais décaler un peu, excuse-moi. Alors, tu m'as placé un point intermédiaire, ce qui est très bien. D'ailleurs, je vous le conseille pour tous les gens qui veulent travailler en travers des tapis, de mettre une petite balle devant, comme Edouard me l'a mise. Super. Et puis là, ça m'aide vraiment à avoir… la ligne de jeu de côté. La ligne, là, voilà, exactement. Alors, vas-y, mon ami. Tu fais quelques coups d'essai. Alors, je fais toujours mes coups d'essai en rapport avec la cible. D'accord. Moi, personnellement, j'ai mes points de repère. Ouais. Je m'arrête à peu près à mi-backswing. Et j'essaie vraiment de finir, de lancer mon club vers la cible. Je l'adore. Donc, là, ton point de repère pour cette profondeur-là, avec ce club-là, c'est plutôt ici. Ah, tu sens que c'est ça. Bien sûr, bien sûr. D'accord, très bien. Mais le plus important, c'est toujours d'avoir cette sensation de lancer, de release vers la cible. Ouais. Et ça, ça va vraiment me donner une marge d'erreur qui est beaucoup plus réduite que si vraiment j'essaie de faire un plein coup et de finir un peu trop à gauche. Petite pause. Vous voyez les amis que j'adore Olivier parce qu'il parle de cible, il parle de vol de balle, il parle de hauteur de balle, il parle de situation, il parle de release. C'est ce qu'on a en commun, Edouard. C'est ce qu'on a en commun. Ouais. Vraiment, de jouer toujours en relation avec la cible. Voilà, tu ne décroches jamais de l'image. Ah non, jamais, jamais. Alors fais-nous rêver, on veut voir. Les gens veulent entendre le son de ta balle. Très bien. Alors fais-nous rêver, on te regarde. Donc je fais mes deux petits coups d'essai. Premier shot, on va faire plusieurs. Petit coup d'essai. Voilà. Ok. Je regarde au moins 2-3 fois la cible avant de taper. D'accord. Super. J'adore. Alors évidemment, ceux qui sont derrière la caméra vont dire « Mais pourquoi ils ne filment pas de l'autre côté ?» Elle est tombée à 3 mètres du drapeau, 50 mètres. J'ai adoré parce que vol de balle très bas. Oui, oui. Particularité importante. On va faire un petit crochet de seconde par rapport à tes connaissances du golf. Et je sais, tous les gens qui regardent mon travail savent à quel point je parle de Victor Dubuisson en très bien par rapport à sa manière d'être connecté à la cible. Justement, toi qui as beaucoup joué avec Victor, on peut dire que tu as beaucoup joué avec Victor. Oui, 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 bien sûr, je connais bien. Qu'est-ce qui fait la différence entre Victor Dubuisson qu'on connaît et qu'on voit à la télévision et par exemple un joueur qui va être zéro d'handicap, scratch, un très bon joueur amateur ou un joueur de l'Abs Tour par exemple? Alors moi, ce qui m'a vraiment frappé sur les parties que j'ai jouées avec lui, si tu veux, c'est
c'est que c'est quelqu'un qui est en dehors de la technique. C'est-à-dire, il fait son coup d'essai pour le ressenti, mais il est à 2000% sur la cible. C'est-à-dire que quand il est à l'adresse, il regarde 3-4 fois la cible et il est sur la cible. Et c'est vraiment flagrant quand on le voit jouer, ouais. Quand on le voit s'organiser durant sa routine, il est que sur la cible. La cible le place. La cible. La cible, le release vers la cible. Alors, la deuxième chose qui m'a vraiment frappé, c'est que c'est quelqu'un qui est très fort de très loin. C'est-à-dire, dès qu'il a un coup de 200 mètres, 220 mètres, avec un hybride ou un fer 4, il est toujours, toujours hauteur de drapeau. Pénard. Un peu à droite, un peu à gauche, mais jamais 5-6 mètres derrière, jamais 10 mètres court. Donc, très peu de déperdition sur les longues cannes. Très peu de déperdition sur les longues cannes, très précis de très loin. D'accord. Et toucher de balle fabuleux ou pas, honnêtement ? Toucher de balle fantastique. 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 Mais par rapport à... par rapport à moi. Non, on se barbare. Non, mais on en parlera hors caméra. Je vais pas minimiser ta frappe de balle parce que tu as quand même une frappe de balle qui est assez propre, Edouard. Je te l'ai dit hier quand je te regardais au practice. C'est, je peux pas dire ça. Après, Victor Dubuisson. C'est un autre monde, évidemment. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui est vraiment tourné dans le jeu, dans la visualisation. Ouais. Techniquement, c'est très propre, c'est très compliqué ce qu'il fait, mais c'est propre à lui. Ouais, mais c'est simple pour lui après. Ah bah oui, c'est simple pour lui, mais après, c'est quelqu'un qui joue au golf, quoi, qui vit le golf. Voilà, ça c'est intéressant que les gens le sachent parce que Olivier connaît très bien Victor. Victor est un garçon, tu l'as dit, très généreux, très gentil, très ouvert, qui partage beaucoup avec les gens dans son cercle. Ouais. Voilà, c'est quelqu'un de réservé évidemment parce qu'il a besoin de connaître les gens, d'accord. Mais vous avez cette amitié et quand vous jouez des parties ensemble, je suppose qu'il te donne des conseils. Bien sûr, il m'a donné des conseils, bien sûr. Super. Et il aime beaucoup ton petit jeu, j'ai cru comprendre. Oui, oui, c'est vrai. Il dit que c'est pas mal du tout ce que tu fais autour du grand jeu, c'est autre chose. Non, mais c'est très bien aussi. Non, le petit jeu, voilà, c'est formidable. Alors, retourne dans une deuxième. Personnellement, j'ai adoré le vol de balle qui était plutôt bas. Alors là, voilà, donc c'était vraiment dans une situation où je n'ai pas d'obstacle entre ma balle et la cible. D'accord. T'as besoin d'une deuxième juste pour Alors, je vais en taper une deuxième. Voilà. Coup d'essai. J'aime bien avoir des petits coups d'essai. Coup d'essai. Toujours en relation avec la cible. Voilà, le cerveau voit. Voilà, très important. Quand vous finissez votre coup d'essai, vous regardez votre cible, vous faites une photo de la cible. Super. Vous remettez sur la balle, vous regardez la photo. Et on se laisse aller. Voilà, très important. La même en couleur. Ouais, pareil. Alors, juste une chose, ce qu'il faut voir là-dedans, c'est qu'elle parle légèrement en draw, Olivier. Pourquoi elle part basse? Parce qu'il la prend en arrière dans l'arc. Exact. Et elle a un léger draw bas. Exact. Et on sait aujourd'hui que, par exemple, un joueur comme Olazabal, qui a donné des conseils à beaucoup de joueurs français, expliquait à beaucoup de très bons joueurs français que la plupart des coups autour de 80, 50, 60 mètres, c'est une balle basse légèrement en draw. Exact. On est d'accord avec exact, ça. Exact. Ce que fait Victor aussi d'ailleurs sur le petit jeu. Alors, Victor, c'est quoi comme, est-ce qu'il varie les hauteurs de balle ou est-ce qu'il sait plutôt beaucoup dans le spin, c'est-à-dire beaucoup de rebonds et arrêts? Alors, c'est sur le chipping, sur tout ce qui est chipping et wedging, c'est vrai qu'il est souvent avec une trajectoire de balle basse avec beaucoup de spin. D'accord. C'est quand même un coup qui est assez compliqué, qui demande beaucoup de toucher, beaucoup de feeling, beaucoup de pratique. Bah oui. Mais c'est assez impressionnant à voir. C'est ce que pas mal de joueurs du circuit font. Hein. J'ai quand même suivi pas mal de tournois du circuit. Bien sûr. Et c'est vrai que dès que ces joueurs n'ont pas d'obstacles, ils privilégient une trajectoire de balle basse avec beaucoup de spin. Avec beaucoup de spin. Une balle qui s'arrête au deuxième rebond. Alors là, on arrive à quelque chose. Merci, mon Olivier. J'adore passer ce moment avec toi. Merci, mon ami. Une chose importante, vous avez entendu souvent, coach chipping, on voulait toujours faire rouler la balle. Statistiquement, il est vrai qu'une balle qui roule, on connaît l'histoire. Maintenant, quand vous allumez la télé toutes les semaines, vous voyez des joueurs qui font spinner la balle. À partir du moment où on commence à réaliser vers la cible, qu'on commence à avoir du retard même au wedging, c'est pour moi en tout cas plus simple de mettre de la vitesse à une balle pour qu'elle s'arrête près du drapeau. Oui. Tu comprends? Donc du spin. Oui. Alors que quand tu as une balle qui roule, oui, on peut gérer les profondeurs par la roue. Exact. Mais c'est, en tout cas, pour moi, ça ne m'a jamais vraiment parlé, personnellement. Moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Après, il faut savoir qu'une balle qui s'arrête au deuxième rebond, c'est quand même des greens qui ne sont pas si durs que ça. Ah. Sur des greens très durs comme à l'US Open, ils n'arrêtent pas au deuxième rebond, ils arrêtent au troisième rebond. Et pourtant, ils mettent déjà beaucoup de spin. Bah oui. Et c'est sur des distances plutôt entre 30 et 60 mètres. D'accord. Mais toujours un peu bas en draw. D'accord. Toujours un peu bas. Ça, c'est vraiment important. Donc, je ferai des vidéos là-dessus pour la basse en draw. Olivier, maintenant, quand on parlait tout à l'heure avant de faire cette vidéo, tu voulais absolument expliquer aux gens. Alors là, on est évidemment sur un tapis de practice. Mais comment tu ressens le lie quand tu fais tes coups d'essai? Alors, tu sais, vas-y, parle-nous de ça. Oui, bien sûr. Alors, ce dont on parlait à midi tous les deux. Ouais. C'est comment on s'organise quand vous arrivez à votre balle au chipping. Par exemple, j'ai un coup de 15 mètres, je suis dans un rough assez épais. Ouais. On va dire qu'on est aujourd'hui sur le parcours, donc l'herbe est beaucoup assez… Beaucoup d'imaginaire. Hein. L'herbe est assez humide, enfin il pleut là, donc bon, l'herbe est très humide. Okay. Ce qui est très important quand vous arrivez sur votre situation, plus important que le coup en lui-même, c'est de tester le lie, la résistance de l'herbe. C'est-à-dire, vous faites au moins 5-6 coups d'essai,
pour pas vous faire avoir, d'accord ? Faites 5-6 coups d'essai. Si l'herbe est humide, votre club va freiner, donc il va falloir mettre un peu plus de vitesse. Ouais. Si l'herbe est sèche, votre club va passer assez vite, donc vous allez un peu réduire la vitesse. J'ai aimé le mouvement de sèche, ça a beaucoup plu. Voilà. Donc n'hésitez pas à tester la résistance de l'herbe en faisant plein de coups d'essai, d'accord ? Vous avez le droit. Voilà, vous avez le droit de faire plein de coups d'essai autour du green. Sur le départ, vous faites un coup d'essai, voilà. C'est préconisé. Mais autour du green, n'hésitez pas à tester. D'accord. Et ainsi, vous pouvez régler l'amplitude par rapport à la distance que vous voulez produire. Je peux enchaîner ? Par rapport, merci Olivier, par rapport à l'anticipation du contact. Je peux en faire un pour la montrer ? Je t'en prie. À ma place. Donc ouais. En deux mots ici, j'ai ma cible qui est la balle, point intermédiaire. Tu vois, par exemple, j'écoute ce que tu dis, donc je vois où la balle doit aller. Je prends un vol de balle, je me base sur la tienne parce qu'elle était super. Ouais, écoute, et là, quand je fais mes petits coups d'essai, regarde, je sens que le tapis rebondit bien. Je sens que je n'ai pas trop de friction au niveau du contact de balle. Donc, ça me permet d'avoir une anticipation du contact. Si j'avais une balle haute qui repose sur le haut d'un rough, je vais couper le haut de l'herbe, donc ce sera encore plus léger. Exact. Et si j'ai une balle dans un divot, évidemment, voilà. Ou dans un rough, un US Open, comme tu disais, ou Open de France très, très dense, il y aura besoin de plus d'accélération. Comment apprendre tout ça ? Ça demande de l'expérience. Ça demande l'expérience et puis l'expérimentation surtout. Vous n'hésitez pas à vous mettre autour d'un green et de mettre votre balle dans plusieurs stances et dans plusieurs lies. Ouais. Et n'hésitez pas à expérimenter. Voilà. Et tu m'autorises à la faire ou pas ? Je t'en prie. Il m'a motivé, Olivier. Donc, je vois mon image. Je vais partir légèrement bord droit du point intermédiaire en draw. Je sens que mon setup match l'image et je release vers mon image. C'est parti. Alors, tu vois, j'adore. Ouais, c'est propre. Ça te plaît ou pas ? Ah, elle est encore plus près que la mienne. Ouais, par contre, chose importante, et les connaisseurs qui connaissent, j'adore cette phrase, viens avec moi, mon Olivier. Les connaisseurs qui connaissent. Elle est partie plus haute qu'Olivier. Ouais. Ouais. Et ça, c'est un truc que je travaille. Ouais. Parce que, on est honnête. Oui, bien sûr. Bien la balle, elle est près du drapeau comme la sienne, mais ce n'est pas le même vol de balle. Ce n'est pas une balle basse pénétrante que je commence à arriver à faire de plus en plus. Ouais. Et ça, comme par hasard, et je voulais vous le dire, ça vient de l'expérience de jeu de beaucoup de tournois. Alors, précision pour toi, avant qu'on parle du Masters de Tiger Woods, les amis, notre ami Olivier fait combien de pro-am par an tu fais ? J'en fais entre 30 et 40 par an. 30 et 40 par an. Ouais. Alors, les pro-am, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la chance de pouvoir jouer un tournoi avec un professionnel quand vous êtes amateur. Moi, je n'en fais pas beaucoup, j'ai d'autres activités. Je vous demande, je mettrai le numéro d'Olivier en bas de la vidéo, je vous demande d'accord, d'aller voir Olivier si vous cherchez un pro pour les pro-am. Dans toute la France. Toute la France. D'aller te voir. Aussi, vous allez passer à l'étranger, même des fois à l'étranger. Voilà. Et Pascal qui est venu en programme avec lui l'année dernière à Marrakech, mon petit Pascal. On t'embrasse fort. On t'embrasse fort. Il sait de quoi. Il pourra vous témoigner que c'était vraiment super. Ah ouais, c'était super. Alors, on finit là-dessus pour ça. On va refaire une deuxième vidéo maintenant pour aborder un autre sujet. J'en ai plein à te faire voir. Super. On va se marrer et on va parler de Tiger Woods, The Masters, les amis. À tout de suite. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir en temps réel toutes mes dernières vidéos. À très bientôt pour la quête du swing du golf sans effort et pour progresser ensemble.